Salut! Bienvenue dans l'exposition de Pezzi qui a lieu au château de Saint-Maurice. Savez-vous que Pezzi est un héros danois? Et nous avons beaucoup de chance, c'est que nous avons deux copains à nous qui font de la bande dessinée, donc André Taimans et Thierry Capzone, qui vont nous faire un coucou rien que pour nous. Allez, à nos BD! Thierry Capzone, c'est un grand plaisir de te revoir ici, en Suisse, à Saint-Maurice. Ah oui. Salut, Paul. Eh bien, écoute, je me régale. La Suisse, formidable. J'ai eu deux petites minutes cet après-midi pour aller chercher mon fromage. Je me suis régalé. T'as pris quoi, du bon gruyère? Non, même pas du gruyère. Non, j'ai pris un fromage à fondu. Mais je dois l'avoir d'une part. Hein. Ah oui. Il est alors, dans le sac. Alors, mon problème, c'est est-ce qu'il va passer à la douane? Ah c'est oui. Ça, le truc, tu vois, a... Et c'est du bon, hein? Oui. Donc ça, tu fais du trafic de fromage en Suisse? Ah oui. Ah, ben, peut-être pas de quoi. Ah, pas de dire ça là, ah, non. À la vidéo, le verre. Ça sent déjà pas très bon, mais non, il est bien. C'est vrai, et un petit bout de gruyère. Ah oui. Ah oui, de la fromagerie des papous. D'accord. Bon, voilà. Donc les papous en Suisse, c'est rigolo. Ben oui, c'est marrant. Oui. Tant qu'ils font du bon fromage, je m'en fous de lui. Oui. Et là, j'ai eu un très grand plaisir. En lire, en fait, pour moi, c'est le premier Pezzi que j'ai de toi. Ah. Peut-être qu'en Danemark, tu en as déjà sorti. Oui, j'en ai sorti deux au Danemark, oui, déjà. Est-ce qu'on va les voir en adaptation? Non, parce qu'en fait, ceux que j'ai sortis au Danemark, ce sont des livres jeunesse, c'est-à-dire que ce n'est pas de la BD. Ce sont des livres avec des grandes illustrations, du texte dessous. Et donc, celui-ci, le Pezzi, le volcan, c'est le tout premier BD qui a été refait après que Casterman ait arrêté la série. Ouais. Et j'ai adoré, en fait, me plonger. Pour moi, c'est un peu mon arbre d'enfant qui a repris le dessus. Et je me suis éclaté en voyageant avec Pezzi, avec le bateau. Tout ça pour la recherche d'un clou. C'est dingue, hein? Et je trouvais ça super. C'est dingue. On part d'un clou et on arrive dans un volcan avec des dragons. C'est complètement dingue. C'est ça que j'aime dans Pezzi. C'est qu'il y a complètement ça. C'est du Monty Python. C'est la folie. C'est du délire. Tu pars d'un clou et c'est des grandes aventures. Il n'y a que Pezzi qui peut faire ça. Et oui, mais on retrouve tous les animaux qu'on connaissait. Hein. C'est bien l'hippopotame, le lion. Et c'est vrai que j'adorais me replonger comme ça. Mais il y a tous les copains, il y a le pingouin, il y a l'amiral, il y a la petite Caroline, la tortue, Ricky, tous les personnages sont là. Et c'est vrai qu'il y a des personnages secondaires. Alors attention, je vais ouvrir le truc. Donc tu as des personnages secondaires avec Pierre Poivre-en-Grain qui délivre. Oui, j'adorais son, il raconte une histoire. Voilà, avec son poivre, et tout le monde va éternuer. Exactement, c'est extraordinaire. Et en fait, c'est bizarre, parce que dans cette histoire avec le scénariste, on est parti justement de cette idée où dans l'île du volcan, le tonneau de poivre s'éclate et tout le monde éternue. Oui. Et on a trouvé l'idée tellement... Même la baleine, je trouvais ça bien de retrouver la baleine. Exactement, et c'est la baleine qui va éteindre le feu de partout. Alors les crocodiles, tout le monde éternue. Et en partant de cette idée, on est venu après sur l'idée du clou, et puis voilà, c'est un univers complètement farfelu, ça part un peu dans tous les sens, mais à la fin, ça se termine toujours bien, il continue ses voyages. Et moi, ce qui m'impressionne avec toi, c'est que je sais que tu es capable d'écrire. Comment ça se fait que tu travailles avec un scénariste, avec Pezzi? Alors, Pezzi, c'est quand même quelque chose de très délicat. Je crois que pour faire du Pezzi, il faut avoir la crème de la crème. C'est-à-dire que ce sont des histoires qui sont toujours hyper bien ficelées, qui sont, comme on disait, vraiment, c'est du Monty Python, c'est complètement absurde, et il faut vraiment un mec qui sache faire ça. Et ce gars s'appelle Per Sandhagen, oui, qui est danois, et qui a travaillé à l'époque avec la famille Hansen, donc d'accord, il connaît l'univers déjà. Ouais. Et bosser avec lui, mais c'est comme conduire une Ferrari. Et déjà, il te livre le scénario. Alors attends, pour tes amis de la vidéo, je vais te montrer justement, j'ai le scénario du prochain. Donc on est vraiment voilà, en plein scoop. Alors là, c'est le plein scoop, ça s'appellera donc Pezzi et le cochon volant, tu vois. Alors là, et je reçois mes scénarios comme ça. Alors comme j'ai des petites idées, je mets un petit gribouillon, tu vois, qui est là. Alors, et ça, c'est... Alors, je le ressens danois, c'est du danois. Oui. Et donc, je le... Tu es complètement bilingue. Voilà, complètement bilingue. Et donc, je le transcris donc en français. Alors, voilà. Et puis, de temps en temps, j'essaie de trouver les bonnes tournures de phrases. Alors, je reviens aussi sur des phrases qui me paraissaient pas bonnes. J'essaie de moderniser un petit peu le truc, tu vois. Alors là, t'as le...
t'as le début du danois, là, t'as la fin du français, tu vois, le cochon, allez, je suis qu'un pauvre cochon. Les amis regardent dans l'expectative. Regardez, ce n'est pas notre cochon là. Il aimerait voir l'explosion de plus près, je suppose. Parce qu'en fait, le cochon a été entraîné par une fusée, un pétard d'artifice. Et le cochon a été entraîné, il est attaché à cette fusée. Et donc la fusée va exploser et tous les autres ils disent oh, regardez le cochon, il est là avec. Et il y a Pingo qui fait oui, il voulait être plus près pour voir le feu d'artifice, seulement de près. Et toi, c'est quoi ton personnage préféré à part Pezzi? Moi j'aime bien, j'ai une petite tendresse pour Pingo, même s'il soit difficile à. C'est le plus difficile à dessiner, mais c'est un personnage qui est très, comment dirais-je, très maladroit. Oui, j'adore ce rapport à ça. Ouais. Exactement. C'est lui qui reçoit les coups, mais je m'y retrouve un petit peu. C'est lui qui, tu vois, il trébuche tout le temps. Et puis, le problème avec cette équipe, c'est en fait, c'est une unité. Oui. Tu vois, le Pezzi, donc c'est un peu le chef de la bande. Le Pingo, c'est le maladroit. Ricky, c'est le copain qui a tout plein de trucs dans ses poches tout le temps. L'amiral, c'est celui qui est un peu plus adulte. Déjà, mais il mange, il dort, tu vois, c'est tout ce qu'il fait. Et puis, tu as les tout petits qui ont aucune règle. Mais ça qui est génial, parce qu'en même temps, c'est une double lecture. Parce qu'on voit ta bande dessinée et en même temps, on voit les tout petits qui se promènent, aussi bien avec Caroline la Tortue, aussi bien le petit perroquet qui est toujours aussi là. Et c'est vrai que c'est génial. Parce exactement. Que, et il n'a pas de nom, tu sais, le perroquet, ça s'appelle le perroquet. Ouais. C'est vrai. Et c'est vrai qu'ils sont derrière, mais ce sont déjà toute la bande, c'est des enfants, mais eux, c'est encore tout petits enfants. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment, ils n'ont aucune morale. Ils vont faire n'importe quoi, ils vont casser tout, ils vont donner des coups de pied dans tous les sens. Ils s'amusent. Et là, tu es en Suisse pour une belle exposition Pezzi. Super. Comment ça s'est déroulé en fait? Oh là, c'est une très 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 longue histoire, mais je crois surtout ce qu'il faut savoir ici, c'est que dans le château de Saint-Maurice, cette exposition est merveilleuse. C'est super, on a le bateau, il y a tout. Tu as vu, c'est super, ils ont fait un truc magnifique, je le conseille à tout le monde, venez le voir, c'est vraiment extraordinaire. Mais c'est vraiment super ce qu'ils ont fait. Alors, l'exposition, il y a eu vraiment des tas de négociations avec les ayants droit qui sont les éditions Egmont au Danemark, pour que ça se fasse. Je sais que Philippe Duvanel ici s'est vraiment battu pour avoir cette expo. Et tout le monde y a mis un petit peu du sien. Et finalement, ça nous donne quelque chose de formidable. De magique. C'est génial. Magique. C'est magique. Plein de magie parce qu'on soit grand ou petit, on arrive et on retombe en enfance. Quoi. Absolument. On se retrouve dans le truc. Mais vraiment, c'est magnifique. Est-ce que l'expo est prévue d'être tournée ou bien elle sera vraiment que pour la Suisse? Alors non, l'expo sera que pour la Suisse. Elle s'arrêtera ici en mois d'octobre. Donc là, je reviendrai justement sur la Suisse au mois d'octobre pour faire quelques écoles, pour présenter le personnage, pour dessiner avec les enfants suisses. Et ensuite, je continuerai tout de suite sur le Festival de Belfort. Voilà. Donc je finis l'octobre. Et pour le Festival de Belfort, le 2 novembre, ça sera mon anniversaire. Ah bah on verra ton anniversaire. Et voilà, et je viendrai ici en Suisse pour fêter l'anniversaire et pour fêter Pezzi. On verra fêter avec toi, on t'apportera du fromage. Ah bah écoute. Voilà. j'adore. Non, merci beaucoup. Mais écoute, merci Paul, c'est toujours un grand plaisir. Et venez voir l'expo, les bonnes. André Tenet, bonjour. Bonjour. C'est une grande chance de te revoir ici. En même temps, c'est pour une grosse sortie, on peut presque dire planétaire, c'est le nouveau Pezzi. Oui, c'est vraiment une exclusivité pour la Suisse, puisque en France et en Belgique, il ne sortira que le 4 juillet. Donc, on est bien en avance. Et j'étais vraiment très content de lire cet album, parce qu'on a l'impression qu'on replonge dans les aventures quand nous étions enfants. Parce qu'on retrouve en fait le Pezzi, notre enfance, avec le texte en fait sous les cases. Est-ce en même temps c'était un tes rêves de gosse de travailler sur un Pezzi? Ah, c'était de toute façon mon personnage d'enfance, c'était Pezzi, bien avant Tintin ou d'autres personnages. Donc évidemment pour moi c'est un grand plaisir de faire un nouveau Pezzi. Et je voulais vraiment le faire à l'ancienne, je voulais le faire comme les Pezzi que j'ai lus en étant petit. Donc avec le texte et la petite tête pour savoir qui parle dans l'image. Ça me paraissait... voilà. Mais non, je suis très 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 content d'avoir pu réaliser ce Pezzi. Et je suis très content parce qu'on retrouve un Pezzi un peu écolo et en même temps ça fait une bonne morale pour toute la famille et surtout pour les enfants. Mais oui, c'est-à-dire que sur la forme du bouquin, c'est assez fidèle, je pense, à l'esprit d'origine de la série. Par contre, sur le fond, j'avais envie de faire une histoire un peu plus contemporaine qui parle plus aux enfants d'aujourd'hui. Parce que les enfants aujourd'hui sont hyper connectés, ils ont une ouverture sur le monde qu'on n'avait pas dans les années 50. Et donc j'ai voulu faire une petite fable écologique autour de ce continent de bouteilles plastiques qui se déplacent sur les mers, qui est un vrai fléau. Et donc voilà, Pezzi va essayer d'arranger tout ça. S'il pouvait exister en vrai, peut-être qu'il le ferait, mais malheureusement... Mais ça peut donner des idées à plein de monde. Oui, sans doute. Oui.
Mais ce dont je parle, là, le recyclage, etc., ça, il existe déjà des cas comme ça dans certains petits archipels. Donc, je me suis basé aussi sur des faits réels, entre guillemets. Ah, merci beaucoup. Mais merci. Mais bonjour Karine. Bonjour, je peux vous offrir une crème. Mais volontiers. Est-ce que toi, tu étais une lectrice de Pezzi quand tu étais petite? Oh oui, j'avais presque tous les Pezzi. J'aimais beaucoup les lire, je les relisais et les re-relisais. Et oui, j'étais très attachée à ces personnages. Et c'est vrai que c'est toujours une période magique, parce qu'on retrouve la nature aussi, les animaux. Et c'est vrai que là, je viens de relire en même temps le dernier album de Chiaka Zone. Et il a su en fait retranscrire ce qu'on avait quand on était gamin. C'est effectivement le même monde que nous connaissions quand on était petits. Oui. C'est plein de poésie, en même temps il n'y a pas de méchants, tous les animaux sont ronds et doux. Oui, c'est un peu ça. Il y a les lions, les hippopotames. Quand j'étais petite, il ne fallait pas les méchants qui fassent peur. Après je faisais des cauchemars. Donc petit, c'était parfait pour moi. Alors merci beaucoup. Merci aussi. Philippe Huguy, bonjour. Bonjour. Pour toi, qui est Pezzi? Un nounours. Oui. Un nounours danois. Et toi, tu lisais Pezzi en étant petit? Non. Non, parce qu'il est né en même temps que moi. Il est aussi vieux que moi. On est aussi vieux l'un que l'autre. Il y en a un qui est de 48, moi, et lui, il est de 51. Donc, voilà. Pezzi ne paraissait pas en France. C'était plutôt danois, et puis après allemand, voilà. Si je ne me trompe pas. Danois, allemand, je crois que la Suisse... Oui. L'a beaucoup publié, enfin en tout cas les enfants l'ont beaucoup lu, la Belgique, etc. Mais en France, ça n'a jamais vraiment marché, Pezzi. C'est quoi, pas un personnage qui était... Alors, parce que probablement, on avait des personnages qui correspondaient. Donc, on avait des personnages comme par exemple Sylvain et Sylvette. Oui, voilà, oui. Voilà. On avait Perlin et Pimpin. Oui. On avait Fripounet Marisette, on avait Tintin, bien sûr. Mais dans les personnages pour enfants, on avait Pif le chien avec Rikiki, Roudoudou, les belles oreilles. Ouais. C'est quand même rigolo les titres. Il y avait tout un tas de petits personnages comme ça qui faisaient l'enchantement des enfants en France et qui paraissaient dans les journaux. Et étrangement, Pezzi n'était pas le... Il y avait Babar. Oui, bien sûr, oui. Quand j'étais petit, moi, c'était Babar. Mm-hmm. Vraiment. Et j'ai encore, d'ailleurs, un album de Babar qui est quand même sacrément amoché. Oui, c'est des gros volumes. Oui, des grands volumes, comme ça. Et puis, on avait Benjamin Rabier aussi. Oui, un tout grand. Avec... oui. Alors là, Benjamin Rabier... Maintenant, on se rappelle plus de la vache qui... C'était Oscar ou... C'est Oscar. Et c'est vrai que maintenant, Benjamin Rabier, malheureusement, il ne reste plus que la vache qui rit. Non, je pense que beaucoup de gens le connaissent encore, mais évidemment dans les anciens, bien sûr. Ouais. Benjamin Rabier, ça a été un monstre, si on peut dire. Ah oui, et j'ai eu la chance de publier mon premier bouquin chez Garnier, qui était la même maison d'édition que... Donc tu as pu le rencontrer. Mais non, parce qu'il y a une grande différence de comment d'âge. Oui. Mais Benjamin Rabier a bercé les... Alors, on avait, pour les enfants précédemment, il y avait Bécassine, il y avait le sapeur Camembert, oui. Il y avait toutes ces... les pieds nickelés, oui. Bibi Fricotta. Donc on était extrêmement nourris. C'était très riche, très très riche. Donc Pezzi, hélas, Pezzi, je suis désolé, mon pauvre garçon, mais c'était pas notre... en tout cas, pas pour moi. Oui. Il y a eu des enfants, bien sûr, qui l'ont lu. Ben, c'est gentil, merci mais beaucoup. Mais voilà, ben, avec plaisir. Et puis, je vais y aller maintenant boire un coup. Avec Pezzi, et manger une crêpe. Et une petite crêpe à Pezzi. Ça va? Ça va bien, c'est toujours un plaisir de te croiser. Toi, tu es vraiment un fan de bande dessinée. Ben oui, toujours là au rendez-vous, prêt à découvrir de nouvelles choses et à être émerveillé. Et pour toi, qui est Pezzi? Pour moi, Pezzi, c'est un gros gourmand, amateur de crêpes et puis qui aime se faire plaisir. Étant cuisinier moi-même et aimant donner du plaisir aux gens, c'est tout normal que je me retrouve un peu dans les codes de Pezzi. Et puis c'est aussi un plaisir, une joie de l'enfance et puis toi tu lisais beaucoup de Pezzi étant petit? Alors moi non, pas énormément,
Mais je regardais aussi à la télévision les Pezzi. Et puis, ça aussi un peu des. Moi, je connaissais un peu les codes des vieux loups de mer par Popeye. Ah oui. Et ben, Pezzi, c'est aussi un marin. Et puis, il a aussi un bateau. Donc, les codes se retrouvent un petit peu. Et puis, c'est toujours un plaisir de découvrir ces choses-là. Mais je prends du plaisir à redécouvrir les Pezzi qui sont ressortis aux éditions du Sablon par M. Temmans. C'est un grand plaisir. Donc toi, ta spécialité en cuisine, c'est quand même les crêpes. Pas seulement, hein, parce que si je faisais que des crêpes, je ne pense pas que je ferais de beaucoup de clients. Mais c'est vrai qu'une bonne crêpe partie à la maison, ça fait toujours plaisir avec les copains. Bah, c'est gentil, merci. Merci à toi.